Salut à tous, on est toujours bloqué et encore heureuse, je suis encore là pour vous. Aujourd'hui, on va avoir besoin de aucun matériel, la séance va se passer au sol. Donc si vous avez un tapis de gymnastique, de yoga ou un drap, ça peut faire l'affaire. Aussi, vous aurez besoin d'un téléphone ou d'un chronomètre. Si vous avez un iPhone, un téléphone intelligent, je vous conseille de télécharger l'application Smart Wod. Et en bas ici, on a Tabata. Qu'est-ce qu'un Tabata ? On va travailler pendant 20 secondes et enfin, vous aurez 10 secondes de récupération. 4 exercices et on va faire 4 séries. Alors, on se met son petit Tabata. Ici, on va mettre temps 20 secondes. Reste 10 secondes et on va y aller comme il y a 4 exercices à faire 4 séries. Ça fait 20. Alors, on va mettre ici 20 rounds. Et après, start timer. Et on part ça dans 10, 9, 8. Alors, je vous invite à vous coucher sur votre côté droit. On se met au sol. On peut se coucher complètement ou mettre la main pour soutenir la tête. Et là, on va venir élever la jambe pendant 20 secondes. Vous pouvez aller très haut si vous pouvez aller très haut. Si vous pouvez aller que là, on va que là. Et on tient. Il nous reste encore 5, 4... Et là, on a 10 secondes pour changer de côté. Alors, on se prépare. 3, 2, 1, et on est reparti. Pensez à tendre votre pied vraiment comme une ballerine pour élonger les muscles. Parfait. Maintenant, on reste dans la même position. Le genou qui est en dessous va vous servir d'appui. Votre avant-bras au sol et on pousse avec l'autre main et on va tenir un gainage ici. Donc, on force sur les abdos. Pas trop sur le genou. Le genou est là pour vous rassurer, pour vous appuyer. Et on serre et on tient encore 5. Et on repose et on change de côté. Si jamais pour vous la technique avec le genou c'est trop facile, on tend les deux jambes, l'avant-bras et on pousse et on reste les 20 secondes. Encore une fois, ces vidéos, c'est chacun son rythme, chacun fait ce qu'il peut, comme il peut. Mais ça doit brûler. Encore 3, 2, 1, top! Maintenant, on va venir se mettre sur les genoux et sur les mains. Si vos mains sont un peu faibles et peuvent shaker un peu, trembler, vous pouvez vous mettre sur les avant-bras. Et ce qu'on va faire, c'est comme si on voulait mettre des coups de pied dans les airs. Pensez toujours à bien tendre vos jambes. Plus vous tendez, plus vous faites travailler, vous engagez l'ensemble de la jambe. Et c'est ça qu'on aime. La coordination, on va lever la main gauche et lever la jambe droite. On essaye de tendre devant nous, on repose et on échange. On revient. On va aussi loin qu'on peut. Si vous pouvez aller que là, on va que là. Et on reste. C'est terminé. On va recommencer. Encore 3 de série. J'en fais 2 avec vous et les 2 autres, vous les terminerez toutes seules. Alors, on vient se placer, on lève la jambe. Et on repart avec l'autre jambe. Et on se prépare pour la planche. Donc encore une fois, je vous rappelle, on pose l'avant-bras. Avec l'autre main, on peut s'aider pour pousser. Vous pouvez avoir le genou en appui. Et on pousse. On peut lâcher la main de soutien.
On est aidé avec nos genoux, n'ayez pas peur. Et puis si besoin, vous pouvez vous rattraper directement avec la main. On le sent et si ça tremble un peu dans vos bras, c'est normal, c'est que vous travaillez bien. On repose et maintenant on va de l'autre côté. De l'autre côté, je vous montre l'option 2 pour ceux qui voudraient aller plus fort. On tend les deux jambes, on pousse dans les abs et on se lève et on reste. Encore une fois, cette main peut vous rassurer devant vous. Vous pouvez la mettre sur le côté ou en l'air. Et on repose tranquillement. Exercice du coup de pied en arrière. On va le faire avec les mains droites sur les mains. On pense à kicker derrière. Si vous le trouvez sur vos talons. Et pour la deuxième tournée, je vous montre sur les avant-bras. Et le dernier exercice de coordination de la série. Donc je vous rappelle, chacun à son rythme, lève comme il peut. Main et jambes opposées. Toujours, on pense à bien tendre le plus possible la jambe. Cassez pas vos cervicales non plus, regardez loin devant vous. Et voilà les deux séries que j'ai commencé avec vous maintenant. Ne perdez pas de temps et continuez. Il vous en reste deux autres, donc je vous rappelle. 20 secondes de travail, 10 secondes off et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, force et courage à tous!